Dans cette vidéo, je vais vous parler des mensonges du marketing digital, les choses que l'on vous dit qui sont fausses, et je vais aussi vous montrer qu'il y a beaucoup de choses que vous pensez être des mensonges qui sont en réalité des réalités, qui sont des réalités, qui sont vraies. Et j'avais vraiment envie de vous partager cette vidéo-là. Déjà, je suis très motivé pour faire cette vidéo-là parce que ça fait 5 fois que je recommence cette vidéo parce que ce petit microphone là n'a pas envie de travailler et que au milieu de ma vidéo qui fait souvent une vingtaine de minutes, il se coupe et j'ai plus de son et donc je peux plus vous raconter mes conseils. Donc j'espère que cette fois ça fonctionnera. Et surtout j'avais envie de vous faire cette vidéo là parce que ce matin j'étais en coaching avec un client. Et donc c'est un nouveau client, il me racontait comment il avait fonctionné avant, il avait une agence, ça n'avait pas très bien fonctionné, il n'avait pas eu beaucoup de résultats sur sa stratégie de marketing digital. Et ce qu'il me racontait, en fait, ce qui s'est fait, ce qu'il me racontait, et ses réalités et sa vision des choses étaient complètement à côté de la plaque. Et en fait, on lui avait beaucoup menti dans son histoire. Il n'avait pas du tout la visibilité, la vision correcte d'un marketing digital. Donc c'est pour ça que j'avais envie. Je vais pas juste vous raconter qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai dans cette vidéo-là. En fait, je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer comment fonctionne mon tout jeune business qui a 3 mois, ma jeune entreprise, comment elle fonctionne et comment je génère 100% de mes clients sur Internet. Et je vais vous montrer aussi un autre. Notre entreprise, celle que je gère aussi avec ma femme, qui est plutôt dans le développement personnel, qui elle génère beaucoup plus de chiffre d'affaires pour le moment, mais ça va pas rester, que mon business. Et là, vous aurez des vrais chiffres et vous ferez votre propre idée de ce qui est faisable, pas faisable par rapport à votre entreprise et surtout de ce que on vous dit sur Internet. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis expert en performance digitale et en prospection digitale, j'accompagne des entrepreneurs, des équipes marketing et des équipes de vente à concevoir et à déployer un système d'attraction de clients autonome leur permettant de ne plus jamais avoir besoin de prospecter à travers un programme qui s'appelle le programme client illimité. C'est un programme en 90 jours où je vous apprends à faire une promesse, à faire un pricing, à créer une offre irrésistible sur Internet, à créer un blog si vous avez envie de créer un blog, créer une chaîne YouTube, créer de la publicité sur Internet, avoir de l'attraction, avoir des gens qui viennent automatiquement vers vous, qui remplissent des formulaires, que vous pouvez appeler. Je vous apprends aussi à comment mieux vendre. Tout ça, je le fais pendant 90 jours et c'est un programme. Je vous le dis parce que je vais vous en parler tout de suite, donc je vous présente mon activité. C'est un programme qui coûte aujourd'hui 4 700 €. Mon objectif, c'est d'aller jusqu'à le facturer 8 000 €, dès lors que ce programme aura beaucoup plus de notoriété, puisqu'il est tout nouveau, il a 3 mois. Alors même si moi, j'avais été élu plusieurs années de suite premier influenceur francophone sur le marketing de contenu, c'est pas suffisant aujourd'hui pour le vendre de façon industrielle, surtout que c'est moi qui coach à l'intérieur de ce programme et ce sera moi qui coach toute ma vie dans ce programme. Donc je ne peux pas en vendre beaucoup, mais vous allez voir que j'en vends déjà pas mal. Et donc tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de vous partager mon écran, on va faire quelques petits calculs ensemble. Vous allez voir, c'est assez intéressant. La première gros ce mensonge que vous pensez être un mensonge et qu'en fait est souvent une réalité, et mon client me l'a dit, il m'a dit: Florian, ce qui est bien avec toi, c'est que t'es pas comme tous ces jeunes qui viennent d'arriver sur Internet et qui nous font croire qu'ils font des millions sur Internet alors qu'on sait bien que c'est pas possible juste avec un site Internet, juste avec de la vente de formation, de faire des millions. En fait, je vais vous montrer des chiffres, vous allez me dire si c'est possible ou c'est pas possible, d'accord? Pour faire 1 000 000 sur Internet, donc 1 000 000, d'accord, il faut, en 12 mois, faire 83 300 €. Alors, je vous les montre sur mon portable pour que vous ne me disiez pas que je fais des erreurs de calcul. Je vous assure, qu'en tant qu'entrepreneur, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je fais des business sur Internet, que j'en ai 33 aujourd'hui, ça fait 17 ans que je fais ça, je peux vous dire que ces chiffres-là, je les connais par cœur. La plupart du temps, les infopreneurs, il y a une limite en fait, c'est entre 700 et 1 000 €, suivant la niche où on est, où les gens n'achètent pas facilement sur Internet. Donc on va partir du principe qu'on achète un produit 100% automatisé, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui prend son téléphone. À partir au-dessus de 1 000 €, en fait, on prend notre téléphone et on convertit par téléphone. En dessous, on vend sur Internet. Donc, on va diviser par 700 et on va partir sur 700. Donc, ça veut dire qu'il faut faire 83 000 €. Il faut 120, 119, mais on part sur 120. Moi, mon chiffre, c'est 120. Il faut faire 120 clients par mois pour, avec un produit à 700 € pour faire le million par an. D'accord.
Maintenant, on va partir. Je vais vous donner un autre chiffre. Aujourd'hui, un chiffre à une... Alors, en même temps, quand je regarde là, c'est parce que j'ai mon moniteur et je regarde que mon micro fonctionne. Parce que je vous ai dit, ça fait 5 fois que je fais la vidéo. Donc, je vais plusieurs fois tourner la tête pour vérifier que mon micro fonctionne. Désolé. Et deuxième chose, je m'excuse pour le look. On est vendredi, j'avais pas prévu de vous faire une vidéo. C'est cette réunion de ce matin qui m'a donné envie de faire cette vidéo-là. J'étais plutôt en mode cool aujourd'hui, donc j'espère que ça vous dérangera pas de me voir en t-shirt. Je reprends le sujet. Le chiffre que je voulais vous dire, donc là on est, il faut faire 120 clients. Si j'allume pas l'écran, ça marche pas. Faire 120 clients par mois. Un site internet de conversion type Cdiscount, e-boutique, etc. fait entre, allez, on va dire entre 1 et 3% de conversion. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un voit une page produit, il y a 1% à 1 ou 3 personnes sur 100 qui vont acheter le produit. Donc on va partir, moi j'aime bien partir avec mes clients, je vous dis tout le temps, on va prendre quelque chose d'extrêmement pessimiste pour votre business, et on va dire qu'il y a une personne sur 1000, donc 1000, qui va acheter votre produit. Ça veut dire que pour en faire 120, il faut faire 120 000 visites sur la landing page par mois. Alors là, il y a un certain d'entre vous qui vont me dire, attends Florian, c'est énorme ce que tu es en train de dire, 120 000 visites sur une landing page aujourd'hui, à moins d'être un pure player, c'est-à-dire à moins d'être quelqu'un qui est vraiment spécialisé sur Internet, aucune petite PME, aucune petite entreprise peut faire ce type de résultat sur Internet sans avoir une équipe spécialisée pour ça. Je vais vous montrer des chiffres, on va voir après, mais je vais rajouter une difficulté supplémentaire. Je vais vous dire que pour qu'il y ait 120 000 personnes par mois, il faut, on va dire qu'il y a seulement une personne sur 10 qui va vous, qui va voir soit votre vidéo, soit votre post sur LinkedIn, soit votre post sur Facebook ou votre publicité. Il y en a seulement une sur 10 qui va arriver sur la landing page. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable de générer 1 190 000, 1 200 000 vues par mois sur tous vos dispositifs. Donc il y a 1 200 000 personnes qui voient un contenu. Il y en a 119 000, 120 000 qui vont sur la landing page, et sur les 120 000, il y en a 120 qui achètent votre produit. Et là, vous faites 1 million. Alors, je vais vous montrer des chiffres, je vais vous partager mon écran, vous allez me dire si c'est réalisable ou pas réalisable. Hop là. Donc la première chose que j'ai envie de montrer, je vais vous montrer la transparence de mon entreprise. Donc je suis sur ma chaîne, la nouvelle chaîne là que vous voyez, où je vous partage une vidéo par mois. J'ai vraiment commencé à faire une vidéo par jour au mois de juillet, donc il y a, on est en septembre, donc il y a 2 mois. Donc cette chaîne YouTube, aujourd'hui si je vais dans les analyses de cette chaîne, hop là, analyse, données analytics, elle fait 1500 vues mensuelles, d'accord? Donc 1500 vues mensuelles, ce qui est déjà quand même pas mal. Derrière, j'ai mon profil LinkedIn qui fait à peu près 955 vues mensuelles, plus les posts. Donc LinkedIn me fait à peu près 1000 vues mensuelles, donc je suis à 2500. J'ai aussi Facebook qui me fait à peu près 1500 vues, donc je suis à 4000. Et j'ai beaucoup de messages que je poste. En fait, je copie des messages un peu partout et je réponds à des commentaires sur des forums de discussion dans des groupes privés. Je suis à peu près à 5000 vues mensuelles. Sur ces 5000 vues mensuel, j'en ai 500 personnes qui vont sur ma landing page, et aujourd'hui ces 500 personnes me génèrent environ, parce que je réponds pas à tout le monde, j'ai pas encore une grosse notoriété sur cette nouvelle entreprise, à peu près 3 à 4 ventes par mois du programme client limité qui est à 4700 euros. Donc ça veut dire que je fais environ entre 10 000 et 20 000 euros par mois, un peu moins de 10 000 et un peu moins de 20 000 euros par mois quand je fais entre 2 et 4 ventes par mois de ce programme qui a été lancé, encore une fois, il y a 3 mois. D'accord ? Donc, déjà, vous avez une première visibilité avec une toute petite chaîne YouTube, etc., de résultats qui peuvent être faits. Alors, c'est sûr que si, par contre, on était sur un produit à 700, bon, voilà, on ferait 3 ventes à 700, pas 4007. Du coup, on serait sur des tout petits chiffres, on ferait 2500, 2000 euros par mois. Mais déjà, vous savez qu'il y a certains de mes clients qui me demandent déjà de pouvoir générer ça sur leur business.
Donc ça, c'est complètement faisable assez rapidement. En 3-4 mois, on peut faire ce genre de traction. Maintenant, je vais montrer. Je vous ai souvent parlé, je vous ai dit que j'avais monté, il y a 8 mois, une nouvelle entreprise avec ma femme. On est parti de zéro dans le développement personnel. Je vais simplement vous cacher, je vais vous cacher le nom de sa marque sur la vidéo parce que je vais pas poser la question. Vraiment, on est à la cool aujourd'hui, on est vendredi, je suis mal habillé, je suis pas très bien coiffé. Je vais pas poser la question de savoir si j'avais le droit de faire, montrer ses résultats. Simplement, par contre, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est ses chiffres. Donc, je vais cacher sa marque. Par contre, je vous laisse les chiffres. Elle fait par mois 1 200 000. 1 112 337 vues sur les 28 derniers jours. C'est un business, si je vous mets vraiment sa réalité, les 365 derniers jours, on a commencé en janvier, donc vous voyez, c'est vraiment les 8 derniers jours. Elle a fait 7,3 millions de vues en 8 mois. Il faut savoir aussi que ma femme, elle a du coup maintenant un Instagram qui fait 50 000 abonnés. Elle l'utilise quasiment pas. Moi, c'est vrai que j'utilise pas non plus mon compte Twitter où je crois que j'ai 17 000 abonnés. Je vais juste vérifier quelque chose. Je l'utilise même pas dans mon business aujourd'hui. Je viens d'y penser. Je dis, mais on est débile. Je vais en parler avec l'équipe. On n'utilise pas le Twitter pour l'instant. Alors, j'ai 17 500 abonnés. Donc, tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'en fait, faire 1,2 million avec une chaîne YouTube qui a 8 mois, c'est possible. Et elle a que 8 mois, alors que moi souvent je vous dis il faut 18 mois, 12 à 18 mois pour développer un business. Et puis encore une fois, on est en train de parler d'aller faire 1 million d'euros avec un produit à 700. Ma femme avait un produit plutôt à 1000. Donc ça, c'est une première réalité que j'avais envie de vous dire, c'est qu'en fait ces personnes qui vous disent qu'ils font des millions sur internet en chiffre d'affaires, c'est pas un mensonge. Pour beaucoup d'entre eux, si vous regardez un peu leur chaîne YouTube, à ces gens-là, vous voyez ces youtubeurs, ils ont pas 88 000, ils ont 300 000, 400 000 abonnés, ils ont même 100 000 abonnés sur ça. Ils ont aussi des très gros blogs, on n'a pas encore commencé à développer. On commence tout juste à développer le blog sur le business avec ma femme. Moi, j'ai pas encore eu le temps de le faire, je me focalise pour l'instant sur YouTube. Mais voilà, quand vous avez 5 ans, 6 ans d'expérience, que vous avez Instagram, que vous avez YouTube, que vous avez le blog qui génère 300 000, 400 000 visites mensuelles, un blog ça convertit beaucoup plus qu'une chaîne YouTube, enfin non, une chaîne YouTube convertit plus qu'un blog, mais pour faire les mêmes résultats, vous avez besoin de moins de visites sur un blog. Enfin, je me comprends. Si vous avez Twitter c'est un peu en train de mourir, si vous avez LinkedIn qui fonctionne bien, voilà, vous avez un très gros dispositif, mais concentrez-vous sur un canal au départ. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est la première réalité, c'est possible de faire des millions sur Internet. Par contre, si vous avez bien suivi, moi j'ai une chaîne qui a 3 mois, cette chaîne qui a 3 mois, elle a 250 abonnés, quand ma femme qui a une chaîne qui a 8 mois, fait 88 000 abonnés. Alors quelle est la différence en fait? Là, le mensonge, c'est quand on vous dit que vous allez pouvoir réussir en ne produisant qu'une vidéo par jour ou en produisant qu'une vidéo par mois ou qu'un article par semaine. C'est pas vrai. Je sais que par exemple Gabriel d'une minute 30 à un moment donné nous disait il faut faire du volume, et on lui disait tout le temps si tu fais beaucoup d'articles ou autre, tu peux pas faire de la qualité. En fait, c'est pas vrai, puisque sur internet, dès lors que vous faites de la qualité, vous allez avoir certaines vidéos ou certains articles qui vont avoir de la viralité. C'est-à-dire que vous allez voir que beaucoup de gens vont le partager, que du coup, il va y avoir un effet boule de neige et que cet article va être très lu, et c'est celui qui va vous apporter beaucoup de notoriété. C'est ce qui s'est passé sur la chaîne de ma femme. C'est ce qui se passe sur la chaîne de mes clients. Je peux pas vous montrer les chaînes de mes clients parce que je suis pas associé dessus, donc j'ai pas le droit de vous montrer les chaînes de mes clients. Mais en fait, c'est ce qu'on recherche. On cherche la viralité. Pour ma femme, ça a été la 47e vidéo, c'est-à-dire qu'elle a fait 46 vidéos, elle avait moins de 1000 abonnés, elle a fait la 47e vidéo, ça a explosé, elle est passée en quelques heures de 500 ou 1000 abonnés à 4000 ou 5000 abonnés, je me souviens plus. Du coup, elle s'est dit, tiens, je vais continuer. Elle a fait une deuxième vidéo virale, troisième vidéo virale à peu près sur le même sujet, en réadaptant un petit peu, ce qui a permis de faire développer toute la chaîne. Les 46 autres vidéos ont explosé aussi, sont montées. Puis voilà, elle avait compris grâce à ce volume, parce qu'elle a fait une vidéo par jour, elle avait compris ce qui fonctionnait sur son business, et du coup, elle a pu continuer à faire croître son business. Moi, pour l'instant, je suis à 43 vidéos, j'ai pas encore eu une vidéo
qui a buzzé, qui a été viral. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à rendre virale cette vidéo, eh ben, c'est génial. Vous avez juste à la partager et à dire en commentaire de cette vidéo à vos amis, en notifiant vos amis qui doivent voir cette vidéo-là, puisque c'est assez rare des vidéos avec autant de transparence sur Internet. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc, c'est cette fausse réalité, c'est de vous faire... En fait, on recherche pas la qualité de contenu, en fait, on recherche les contenus viraux. C'est eux qui vont vous faire grossir votre chaîne. Un autre exemple, j'ai un ami qui monte une nouvelle chaîne, qui a eu une vidéo qui a buzzé, c'était la 198e ou 195e, je me rappelle plus. C'est-à-dire qu'il a fait 194 vidéos, il avait 1500, 2000 abonnés sur sa chaîne YouTube, et puis bah tout d'un coup, il y en a une qui a explosé, et en un mois, il est passé de 1500 à 30 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est ça qu'on recherche, c'est cette viralité-là, et c'est souvent ce que les agences oublient de vous dire, c'est qu'en fait, c'est pas le contenu, c'est pas la qualité du contenu, entre guillemets, mais c'est la viralité, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres critères qui rentrent en jeu, qui font qu'il y a des gens qui vont partager ou pas la vidéo. Donc ça, c'est le premier mensonge qu'on vous fait. Par contre, il y a bien des gens qui gagnent des millions sur Internet grâce à Internet. Autre mensonge qu'on vous fait aussi, c'est de vous faire croire que vous allez pouvoir avoir des contenus viraux en les faisant rédiger par des agences de création de contenu ou par les gens de l'agence d'inbound marketing ou de marketing. En fait, c'est très difficile d'avoir de la viralité, puisqu'en fait, le rédacteur que vous allez payer, il va prendre du contenu un peu partout, il va en faire un mixage, puisqu'il n'est pas si expert que ça dans le marketing digital, surtout rédacteur web, il va faire un petit article SEO, et il va vous le balancer sur Internet. Et donc ça, c'est un peu un mensonge aussi, parce que pour avoir de la viralité, il faut être en veille continue de ce qui se fait sur Internet, voir ce que font vos concurrents, voir ce qui buzz, et finalement, voir ce qu'on peut apporter de mieux sur le contenu. Donc ça, c'est le deuxième mensonge qu'on vous fait. Par contre, souvent on me dit ne plus jamais avoir besoin de prospecter, c'est un mensonge. On aura toujours besoin de prospecter, on peut pas vendre. En tout cas, on peut pas avoir des prospects qui viennent automatiquement dans notre boîte d'email. Alors, je vais vous montrer ma chaîne. Je vais vous montrer que moi, en fait, c'est ce qui se passe. Tout simplement. Moi, en fait, sur chacune de mes vidéos et sur chacun de mes articles, hop, je vais aller sur la chaîne. Vidéo. Donc, si je prends celle-ci, par exemple, vous voyez que là, il y a un lien. Et sur ce lien-là, en fait, j'ai des gens qui remplissent le formulaire. C'est un formulaire un peu compliqué. Pour filtrer, pour être sûr que les gens qui le remplissent sont vraiment motivés, toutes les questions sont obligatoires, ils envoient ce formulaire là, ça arrive dans ma boîte mail, et là j'ai plus, comme moi je vends un produit à 4700 et pas à moins de 700, je n'ai plus qu'à appeler les gens directement par téléphone. Donc j'ai pas besoin de prospecter, j'ai pas besoin de me poser la question de savoir d'où va venir mon prochain lead. En fait, il vient automatiquement. Après, j'ai un peu de discussion sur LinkedIn aussi pour créer plutôt de l'autorité, pour créer des partenariats. Et donc du coup, j'ai des gens qui viennent de LinkedIn, mais là, le gros du business, il vient là. Le blog, demain, alors moi j'ai pas encore commencé à vraiment rédiger, j'ai rédigé 3-4 articles, mais je veux rédiger une centaine d'articles cette année sur le blog. Pour vous expliquer en gros comment faire fonctionner votre business, ben, de la même façon j'enverrai vers la session de coaching. Si vous prenez le business de ma femme, elle qui a 88 000 abonnés, il faut savoir quand même que c'est plus de 100 formulaires par mois. Alors, je vais vous couper rapidement l'écran pour pas que vous regardiez ma boîte mail et la sienne, mais je vais vous montrer quand même que c'est une réalité, parce que sinon vous allez me dire encore que c'est des mensonges, que je trafique, etc. Donc non, je trafique pas la vidéo, d'accord, je cache juste par souci de confidentialité pour nos clients, l'entrée dans la boîte mail. Hop, je vais vous repartager l'écran, et vous voyez que là c'est tous les formulaires qu'on reçoit du nouveau site, donc c'est un site en portugais, puisque ma femme est brésilienne, pour tout vous raconter. Et là, vous voyez qu'il y a un petit chiffre, il y a écrit 100, donc on a reçu 100, on a eu reçu 112 formulaires entre 2h06 du matin et 15h
29 pour la vidéo. Là, on avait le 3 septembre, on en a reçu plus de 200, vous voyez, 2 fois 100. Le 1er septembre, on en a reçu 100. Le 29, on en a reçu 100 aussi. Bon, là, il y a une petite pause, le 25, etc. Vous voyez, ça, c'est tous les formulaires qu'on reçoit dans... voilà, je vais vite parce qu'en fait, il y a des petits malins qui vont faire pause sur la vidéo pour regarder ce qu'on fait. Donc, je vous montre juste que c'est des formulaires qu'on a reçus. Et sur le business de ma femme, je vous dis, elle vend des produits à 1000 euros, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a automatisé une campagne. On peut pas passer notre journée à appeler 100 personnes par jour. Donc on automatise une série d'emails qui sont très très bien pensés, où vraiment on explique à la personne qu'on a compris ce qu'elle faisait. Pour le coup, sur ce développement personnel, c'est à peu près tous les mêmes problématiques. En fonction des problématiques qu'elles répondent sur les formulaires, on a automatisé des emails. Et on n'est pas très bon, parce que sur 100 formulaires, on a à peu près 3 ventes par jour. Je pense qu'on pourrait en avoir 6 ou 7. Mais voilà, il y a encore beaucoup de travail. C'est un business qui n'a que 8 mois. Donc on peut faire de belles choses en 8 mois. Dès lors qu'on arrive à aller chercher de la viralité, à trouver de la viralité sur notre contenu. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc vous voyez, on peut automatiser de la prospection et ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Il y a juste des gens qui vont vous remplir des formulaires, qui seront très motivés pour travailler avec vous. Mais le secret... c'est vraiment c'est vous quoi, c'est la viralité, c'est votre contenu, c'est la qualité de vos contenus et la fréquence de votre contenu pour créer une communauté. Pour ça aussi que sur LinkedIn, je vais lancer le nouveau format là, pause digitale, où je vais vous faire des épisodes et tous les jours je vais vous donner 3 conseils. C'est tout simplement pour, c'est sûr que pendant les 3-4 premières semaines, il n'y a personne qui va le suivre, on te regarde à 3-4 likes. Peut-être que ça va, j'espère que ça va devenir un rendez-vous. Vous serez habitué à lire ces conseils-là. Donc, créer une communauté autour de ce rendez-vous. Donc, il faut penser votre contenu pour que vous créez une communauté. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube, de vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir tous ces conseils, pour continuer à recevoir ces vidéos et pour apprendre à mettre en place toutes ces méthodes de prospection automatisée sur votre business. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès. Et je vous dis à très vite. Si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas de remplir le formulaire, je vous l'ai montré. Et je vous dis à lundi, parce que demain, je ne ferai pas de vidéo. Bonne journée!